Yann Dour, 66 ans, très très attaché à la culture galaise. Moi c'est Jonathan, j'ai 36 ans et donc je suis venu avec Yann depuis que je suis petit. J'ai dû commencer quand j'avais 7 ans à venir aux assemblées galaises. Je m'appelle Saya, j'ai 13 ans. Et tu viens aux galaises depuis 4 ans. Et quel instrument tu joues ? Je joue de la guitare. Moi le violon. Pour moi de l'accordéon diatonique. J'ai commencé très très tard en fait, hein, par rapport aux gens de la génération de Saya. J'ai commencé, j'avais 23, 24 ans, quoi, ce qui est vraiment tard. Mais par contre, le diato a été un choc pour moi en fait. Quoi. C'est-à-dire, tout ce qui mûrissait dans moi, quoi, ça s'est synthétisé dans cet instrument-là. Quoi. Je crois que j'aurais rien pu faire d'autre. Et ben moi par contre, deuxième génération, donc moi j'ai entendu le diato du coup dès que je suis né. Et donc j'ai été en stage dès que j'ai eu l'âge pour s'inscrire en stage, c'est-à-dire 7 ans. Et ici au Galaise et à Tikendar aussi. Et j'ai fait pendant 2 ans l'accordéon diatonique, je pense par imitation, j'imagine. Et puis après, j'ai dévié parce que Jean-Yves Bardoul, le prof de violon, était vachement plus rigolo. Donc du coup, je suis parti au violon. Et puis finalement, j'y suis resté. Voilà, donc ça fait bientôt 20 ans, quoi. Dans la filiation, on pourrait penser qu'à la maison, soit c'est Saya et Jonathan, soit c'est Jonathan et moi. Mais en fait, ils entendent de la musique tout le temps, donc ça participe d'une imprégnation. Il y a des instruments de musique qui traînent partout, donc la curiosité fait qu'on a envie d'y toucher. Ben, obligé de venir avec moi en stage, ben, comme ça, de venir là. Donc ça peut être des éléments qui participent, mais ce n'est pas des conditions sine qua non. Parce que je pense qu'on peut devenir musicien, avoir envie de jouer, sans du tout réunir ces trois conditions. Donc je crois que ce qui va définir vraiment la filiation, enfin le besoin à la fois de Jonathan d'apprendre et le besoin de Saya d'apprendre de Jonathan, c'est surtout la relation affective en fait. Je sais que quand j'allais faire un concours et que Jonathan devait venir avec moi, je voulais être excellent, je voulais gagner le concours pour qu'il soit fier de moi, quoi. Et de même quand il a commencé à jouer de manière un peu élaborée, j'étais vachement content que ça fonctionne bien pour lui parce que j'étais fier de lui, quoi. Si tu veux, donc dans ce cas-là, je considère la filiation plus comme... comme un échange, comme une dynamique, que comme un phénomène linéaire. Moi, j'étais trop petit pour me rappeler comment ça s'est passé, j'étais même pas né. C'est commencé en 79, ça ? 79, oui. Ah, oui. Moi, je suis né en 83, du coup, j'ai dû venir à partir de 90. Ouais. Mais c'est sûr que ça fait... c'est une grande partie de tous les souvenirs d'enfance que j'ai rattachés à la musique, c'est en grande partie, c'est les assemblées galaises, quoi. C'est que des souvenirs un peu flous. Il n'y avait pas encore de camp bien organisé pour les enfants. Donc on s'organisait entre familles, c'était à la chaise, moi, quand j'ai commencé. Voilà, pour se répartir les enfants, tout ça. Donc c'était beaucoup plus roots, moins organisé. Mais c'était super, quoi, des vraies vacances en musique. Et où effectivement, il y a un cadre, un lieu où on sait qu'on n'a aucun risque, on peut... Les enfants et les parents se cherchent pas toute la journée, ça baigne de musique. Et... Les stages, ils sont organisés assez simplement. Dans la journée, il y a 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi pour le travail par classe d'instruments. Les violons entre eux, les guitares entre eux, tout ça. Ensuite, on fait une petite pause et en fin d'après-midi, on leur propose un atelier d'ensemble où là, ils se mélangent et ça peut être des thématiques, là, pour le coup, différentes de la partie galop. Pour s'aérer aussi un petit peu la tête, parce qu'on passe quand même une semaine dessus, donc il faut varier les plaisirs. Et voilà, donc une partie musique d'ensemble plus ouverte. Ensuite, au niveau des apéros du midi et du soir, on va inciter les élèves à animer. Dès qu'ils ont appris un petit morceau, hop, on va aller le midi avec les instruments pour les faire jouer, pour s'entraîner comme ça. Et toutes les soirées, soit c'est des musiciens pros qu'on invite pour montrer un petit peu et donner envie aux stagiaires, soit c'est les stagiaires eux-mêmes qui jouent.
ou parfois les deux. Des fois, on commence par un spectacle professionnel, puis on poursuit par un bœuf. Essayer de faire de la cohésion dans tout ça. Et si ça vient et si ça marche aussi bien, notamment au niveau des enfants, c'est parce que c'est à ma connaissance le seul stage où il y a vraiment un encadrement maintenant spécifique pour les enfants. Un vrai camp, c'est plus organisé que quand j'étais petit moi. Il y a des animateurs, tout ça, et donc moi en tant que papa, je l'inscris au camp et je lui fais coucou une fois par jour. Mais j'ai pas du tout à m'occuper d'elle, je peux m'occuper de mon stage du coup que j'anime. Voilà, ça je pense que c'est pour moi et pour nous, l'équipe d'enseignants, c'est quelque chose de vraiment important. L'équipe pédagogique, je pense que c'est vraiment une force des assemblées galaises. C'est vrai que quand ça se passe bien, on essaye de garder les mêmes profs pour constituer une équipe, pour qu'on se connaisse bien, qu'on construise plus facilement d'une année sur l'autre les projets et que les stagiaires se sentent accueillis et en confiance. Voilà. Et ça c'est un point, je pense, important pour l'ambiance. Et on travaille beaucoup à l'ambiance de la semaine, quoi. L'ambiance dans les stages, mais aussi l'ambiance hors des stages. Pour les enfants, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour les adultes. Par exemple, cette semaine, on a vu que les enfants, ils commencent à grandir, ils amènent des copains, et on a une grosse bande d'ados, et finalement, c'est eux qui mènent les soirées toute cette semaine, c'est eux qui mettent l'énergie dans la danse, c'est eux qui crient, qui, voilà, qui mettent vraiment, vraiment une grosse patate aux assemblées. Là, on s'est vraiment rendu compte de ça cette semaine. Et voilà, c'est toujours mélangé, quoi. Dans les stages, c'est mélangé adultes et enfants, et les soirées aussi. C'est ça qui fait qu'il y a une transmission réelle, quoi. On n'est pas dans quelque chose de fait spécialement pour les enfants. Après, on s'amuse tous ensemble, quoi. On n'est pas dans une espèce de démonstration de ce qu'est la Bretagne. On est dans ce qu'on a envie de vivre, quoi. Et tous les profs, on se fait plaisir, quoi. On se fait plaisir à partager les morceaux qu'on a envie, à jouer avec les copains avec qui on a envie, à faire jouer les élèves. Quand on a... J'avais 15 violons pour faire les idées que j'ai en tête, je peux leur répartir les idées, tout ça, on fait un orchestre ensemble et on est tous, les élèves le voient bien aussi, que nous on est stimulés par tout ça, quoi. En fait, tu fais de la musique, c'est pour voir tes copines pendant les stages. C'est pas ça. C'est pas que ça. C'est un milieu idéal pour une ado, en fait, quoi. Parce que c'est très libre, c'est très... Il ne court aucun danger, il y a de la musique partout. C'est très particulier ce qui se passe dans un endroit comme ça, en fait. Je savais qu'en l'amenant ici, elle pourrait vivre quelque chose avec des copains, des copines, quelque chose où la musique est vécue. Parce que c'est pas, on apprend la journée, mais on danse le soir, on rechante, on rejoue. Et c'est tout ce maillage-là qui fait qu'on est assez proche, finalement, de ce qui se passait avant. Alors maintenant, on est un peu plus dans les écoles de musique, chacun dans son coin à apprendre. Mais non, là, on est vraiment sur un rendez-vous à la fois travail et d'imprégnation par tout ce qui se passe autour, quoi. Donc moi j'avais envie qu'elle puisse profiter de ça, quoi. Est-ce que tu revois des copines que tu t'es faites les années d'avant? Ouais. 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 Vous vous écrivez même, non? Dans l'année... Ouais, Toujours les mêmes copines que la première année. Toujours les mêmes copines. La bande de copines qui se voit une fois par an. Et du coup ça fait un peu grosse famille, tu vois, un peu. Ouais. Parce qu'effectivement cette affaire de génération, c'est pas anecdotique. On n'est pas les seuls, les dours, dans ce cas-là. Il y en a pas mal d'autres, j'imagine, d'enfants des pionniers qui jouent aujourd'hui. Le soir, est-ce que tu préfères jouer aux cartes ou à quelque chose, ou bouquiner avec Jonathan, ou est-ce que tu préfères regarder ton ordi? C'est ça l'idée? Pas jouer aux cartes et... Ouais. Comment tu sens ça, le fait de venir au Galès pour faire des choses ensemble, même si on se voit pas forcément beaucoup dans la semaine? Oui, pour faire des choses ensemble, pour la musique, pour les copains. Pour moi, c'est la transmission à travers... l'imprégnation, voilà, parce que la culture, aller danser, tout ça, transmettre ça s'explique pas, ça se vit. Tout notre idée, c'est ça, c'est de voilà, qu'il se passe quelque chose entre les gens. Et si ça marche, effectivement, les gens reviennent. En grande partie, les gens reviennent parce qu'ils s'y retrouvent. Ce qui fait que depuis 9 ans que je suis là, il y a tous les ans plus de stagiaires. La chose, en tout cas, qui a été plus importante entre Jonathan et moi, c'est que ça nous permettait de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que les familles qui viennent là, ça fait une semaine sans télé. Ce qui quand même n'est pas négligeable du tout, quoi. Donc le fait de faire quelque chose ensemble, et quelque chose de qualité, et quelque chose d'incarné, c'est OK. Mais il y a le plaisir de faire quelque chose en famille aussi.
C'est pas simplement de transmettre un contenu fini par le souci ou l'inquiétude que ce contenu se perde si on ne transmet pas à la génération d'après, quoi. Il peut y avoir ça un peu, mais il n'y avait pas vraiment ça chez moi. Il y avait le fait de faire avec Jonathan quelque chose qui l'intéressait, qui m'intéressait, qui était créatif.